Ces images encore virtuelles de la baie de Cocody valorisée et sauvegardée pourraient bien devenir réalité dans l'avenir. Elles sont l'œuvre de l'Agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica. Sur recommandation de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, la structure marocaine a mobilisé une commission d'experts qui, de mars à avril 2014, a procédé à des examens sur la lagune Ébrier en général et sur la baie de Cocody en particulier. Résultat de ces différentes études, le projet pour la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody et les orientations pour sa mise en œuvre présentée mercredi au Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Vous avez une baie qui est la baie de Cocody qui est magnifique. Notre vision aujourd'hui, c'est de la rendre encore plus magnifique et de créer une zone d'animation et un centre d'animation pour Abidjan. Pour le Premier ministre, la suite ne pourra qu'être heureuse parce que s'inscrivant dans l'engagement du président de la République à redonner à Abidjan, voire à toute la Côte d'Ivoire, son rayonnement d'antan. Nous sommes heureux donc que nos amis marocains, suite à la décision donc de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, soit venu pour travailler sur ce dossier donc important. Donc c'est une excellente chose. Je crois qu'on va mettre en place une équipe de manière à ce que nous puissions avancer rapidement sur la proposition que nous fera donc le président directeur général de cette société marocaine. La baie de Cocody sauvegardée et valorisée, c'est possible. Le gouvernement entend s'y employer afin que cela devienne réalité.